Acclamons le Seigneur très fort, mérite nos louanges, mérite notre gloire. Seigneur, nous te disons merci parce que notre présence ici, c'est le résultat de ton amour, de ta bonté et de tes bienfaits. Nous te bénissons parce que tu es présent et nous sommes présents. Et le culte de ce dimanche, c'est la rencontre et de ta présence, de notre présence. Te louons pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu nous as bénis par le cantique. Nous prions que tu nous bénisses aussi par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous salue, je salue ceux qui sont au chapiteau, ceux qui nous suivent en ligne. Adieu. Nous avons Jérémie 23. Versets 5 à 6. Et puis nous allons lire Malachie, chapitre 3, 19 à 20. Dans d'autres versions, c'est à partir du chapitre 4, 1 à 2. Voilà. Nous allons lire tous ensemble. C'est... Voilà. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Allons-y tous ensemble. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Est-ce qu'on peut encore reprendre l'Éternel est notre justice? Voilà. Et le deuxième texte. Allons-y. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un tout. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme le veau d'une étable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Éternel. Notre justice. Jéhovah Tchikenu, l'Éternel, notre justice. Nous avons commencé à parler de sept noms rédempteurs. Vous savez, dans la Bible, derrière chaque nom, il y a une mission. Il y a un ministère. Et vous savez aussi que dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Le chiffre parfait,
et complet. Et donc, il se fait que Dieu se révèle en nous par ce sept noms rédempteurs qui montrent le sept aspects de sa nature. Et lorsque nous le recevons, il nous donne accès à des bénédictions. Et vous allez vous rendre compte aussi que c'est par sa mort sur la croix, Jésus a pourvu à tout ce dont nous pouvons avoir besoin, tout ce que nous pouvons désirer. La mort de Jésus sur la croix, et rien que la mort de Jésus, elle nous suffit. Nous avions commencé, n'est-ce pas, commencé de parler de Jéhovah Jireh sur la montagne de l'Éternel. Dieu pourvoira. Et nous avons dit que finalement, Dieu a pourvu à tous nos besoins par la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et sur la croix, Dieu a répondu à tous nos besoins et à tous nos problèmes. Et là, nous passons au deuxième nom qui est l'Éternel et notre justice. L'Éternel et ma justice. Et quand vous lisez ce texte de Jérémie, le premier texte, nous parle d'un germe juste ou d'un rejeton légitime. Cette expression « germe juste » signifie simplement un roi de la lignée de David qui sera un roi juste. Roi juste. Vous savez, quand finalement David règne, et toutes les 12 tribus sont unies. Mais à partir de Rehoboam, il y a division. Il y a le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du nord est à 10 tribus. Le royaume du sud, 2 tribus, dont le royaume de Juda. Et tous les deux royaumes sont amenés à l'exil. Et c'est là où Dieu vient ici et il parle d'un germe juste de rejeton. Et il dit ceci, on appellera à ces rois-là le nom de l'Éternel, notre justice. Les deux royaumes sont en exil à cause du péché. Mais Dieu promet de susciter à David un germe juste, c'est-à-dire un autre roi ici de la lignée de David. Et quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que ce verset de Jérémie 23, 6, 5 à 6 s'accomplit dans la vie de Jésus-Christ. Donc Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Contrairement à Josachim et même à Sédécias, qui est le dernier roi de Juda avant l'exil. Alors, non seulement cette prophétie s'accomplit en Jésus-Christ, mais le nom de ce futur roi, c'est Jéhovah Tchikenou, l'Éternel est notre justice. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus-Christ est notre justice. Quiconque a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et personnel, Jésus-Christ est devenu sa justice. Et quand vous prenez la justice, ce qualificatif, la justification, le juste et le verbe justifier, vous allez vous rendre compte que ce sont des mots qui reviennent régulièrement dans le Nouveau Testament. Alors, l'Éternel, notre justice, qu'est-ce que cela signifie, la justification? La justification, c'est juste le contraire de la condamnation.
C'est le contraire de ce verdict condamnant les coupables. De même, la justice désigne ce verdict par lequel l'homme est acquitté de toute culpabilité et affranchi de toute condamnation ou châtiment. C'est ça la justification. Et si vous voulez très bien comprendre le contraste entre le ministère de la condamnation et le ministère de la justice, vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. J'ai beaucoup aimé ce verset. Il dit exactement ceci, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9, dit ceci. Si le ministère de la condamnation, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il y a eu la condamnation, mais il y a eu aussi la justification. Donc, Jésus-Christ est notre justice. Peu importe ce que vous avez été hier, sorcière, fétichère, adultère, nombre de grossesses avortées, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce qui est de la saleté, peu importe. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ et votre Seigneur et Sauveur, vous devenez la justice de Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux avec le christianisme. Et Dieu, sans tenir compte de votre passé, a placé Jésus-Christ sur la croix, afin que quiconque regarde la croix de Golgotha est justifié. Justifié. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit ceci, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Simplement comme ça. C'est lui qui était juste est devenu péché. Et nous qui étions pécheurs sommes devenus justice. Simplement comme ça, parce que il est mort sur la croix. Il a pris notre place. Jésus-Christ, ta justice, toi qui es en train de sombrer dans les accusations, condamnations, culpabilité, alors que tu es dans le Seigneur, la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, Jésus-Christ est ta justice. Ne passe pas le temps à te défendre. Les méchants, quand ils sont décidés à te faire noyer, ils parleront de tout et de rien. Ils iront même à chercher le pouls, mais sur la calvitie. Soyez-en rassurés que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris tes péchés, il a pris mes péchés, il a pris tes crimes, il a pris mes crimes. Et c'est à cause de cela qu'il est mort sur la croix. Je me rappelle, un jour j'ai prié pour un jeune homme, il avait une jambe vraiment gonflée, et quand je cherchais à comprendre, et puis sa mère me dit, nous avons plein de sorcières dans la famille, et finalement le premier fils est décédé, et puis lui aussi on veut le tuer, nous sommes allés chez un féticheur qui nous a promis de tuer les sorciers de notre famille. Il devait le tuer par la foudre. C'est juste pendant ces moments-là où on s'est préparé pour le tuer par la foudre, et la fouille à l'église. Et quand la foudre est venue, ne pouvant pas entrer à l'église, la foudre est restée sur l'arbre pendant un mois. Et après un mois,
la foudre est retournée jusque chez le fils à cette maman-là. Et puis finalement, elle a détruit le champ. Cette dame sorcière a fui à l'église. Tous les passés s'est arrêté sur l'arbre. Tous les passés. C'est pareil avec toi, avec moi. Quand nous venons à Jésus donner notre vie, tout le péché est arrêté sur la croix de Golgotha. Tous les péchés et leurs conséquences, c'est sur la croix de Golgotha. Et la Bible même dit que sur la croix, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte plein des accusations, il a cloué à la croix. Vous savez, comme je l'ai dit au premier culte, quand vous lisez sur la croix, il y avait la mention, celui-ci est le roi des Juifs. Ce n'était pas pour proclamer sa royauté, mais c'était pour l'accuser qu'il est en train de mourir parce qu'il s'est auto-proclamé roi des Juifs. Et Jésus, en étant sur la croix, a pris aussi toutes tes accusations. Il a mis sur cette accusation sur la croix. Et son accusation a englouti toutes tes accusations. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation. J'aimerais m'adresser aujourd'hui à tous ceux, quand ils veulent prier, il y a toujours les péchés du passé qui viennent, qui s'interposent entre lui et Dieu, et ils mènent toute une vie de condamnation, même si tu as avorté 15 fois. Dites amen. C'est effacé. Parce que le sang de la justice crie à la croix. Ce n'est pas le sang de l'accusation. Ce n'est pas le sang de la condamnation, mais c'est le sang de la justification qui crie pour toi. Je m'adresse à quiconque est venu dans ce culte, qui n'a jamais donné sa vie en Jésus-Christ, que le sang de la justification t'attend. Pour que finalement, devant Dieu, tu ne sois déclaré comme juste. Sang de la justification. C'est quand je méditais que j'ai compris pourquoi même quand on a amené à Jésus cette femme adultère, on l'a amenée femme adultère, mais est-ce que l'adultère, il l'a commise avec un arbre, avec un homme? On a caché l'homme. Mais Jésus dit, moi non plus, je ne vous condamne pas, mais je serai condamné à ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus ne t'a pas condamné, mais il a été condamné à ta place. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 53 que le châtiment, il a pris nos péchés. Nous l'avons 4 à 7. Nous l'avons vu comme puni de Dieu. Alors qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos iniquités, qu'il a pris nos forfaits, qu'il a pris notre place, qu'il a pris nos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire que Jésus a été jugé à la croix et le verdict a été prononcé et il a été condamné. Par exemple, quand nous revenons toujours sur 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Il a pour nous identifié au péché afin que nous devenions justice de Dieu. Quand vous lisez bien ce texte, cela signifie clairement que Jésus, finalement, a pris l'habit du pécheur, mais sans avoir commis le péché. Ce qu'il faut comprendre, selon ce texte, est que le pécheur, c'est un état juridique en vertu duquel Jésus a pris la place de pécheurs, portant leurs péchés, portant mes péchés, portant leurs culpabilités, portant mes culpabilités, portant les conséquences du péché. Il a porté toutes ces choses. Ce
La justice signifie quand Jésus-Christ, l'homme occupe la position d'un être juste. Mais attention, la justice n'est pas synonyme d'innocence, mais elle dépasse largement même ce stade d'innocence. C'est plus que cela. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, est-ce que nous sommes justes? Non, nous avons été déclarés justes parce qu'un juste a été condamné à notre place. C'est là où je conçois mal que tu sois réellement enfant de Dieu et que tu ne sois que le chrétien de dimanche. Tu n'es pas engagé dans cette paroisse. Nous avons beaucoup de commissions. Toi, tu ne viens que le dimanche. Je conçois mal. Nous pouvons amener de l'argent. Nous pouvons tout amener. Mais servir celui qui est devenu péché à notre place dépasse tout ce que nous pouvons amener comme argent et autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, engagez-vous à l'œuvre du Seigneur. Quand nous lisons, il est devenu péché, cela veut dire quoi? Cela veut dire une fois le fait rassemblé et la cause entendue. Le Dieu de l'univers entier, à la fois le dispensateur de la loi et le juste juge, a prononcé son verdict d'acquittement pour toi et pour moi. Nous étions morts dans le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire concrètement quoi? Cela veut dire concrètement que Jésus-Christ a été jugé à ta place et à ma place. Et Jésus-Christ a été condamné à ta place et à ma place. Et toi et moi, nous avons été acquittés, sommes sans péché. Le juste juge a prononcé le jugement. Le juste juge nous a acquittés. J'ai donné une illustration au premier culte que dans une famille, il y avait un enfant qui était meurtrier, criminel, il tuait les gens. Et son aîné le conseillait. Et puis un jour, il a tué avec ses habits de sang, surpris par la police, il a fui jusqu'à la maison. Il a enlevé cet habit de sang et il a disparu. Et quand la police arrive à la maison, et puis cherchant le criminel, le grand frère a porté l'habit du petit frère. Et le grand frère a été arrêté, jugé, condamné. Et quand le juge a prononcé le verdict, le petit frère est sorti et dit, c'est pas lui, c'est moi. Et le juge a dit, le verdict est déjà prononcé. Il va mourir. Toi, tu ne mourras pas. Alléluia. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil. Nous étions dans l'adultère. Nous étions dans le fétichisme. Nous étions dans des mauvaises choses. Nous étions dans des choses inutiles. Souvent, maintenant, quand je parle, je suis en train de rire. Comment j'étais voleur de poissons? Il a pris ta veste de péché et il a pris sa veste de justice. Il t'a lancé. Tu es juste. Et il a été condamné. Et il est mort à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est là où, finalement, Dieu dit, je vous susciterai un roi, son nom sera l'éternel, notre justice. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Peu importe ce que tu étais dans le passé. À cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu es juste. Et il te considère comme juste. Les péchés passés sont passés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang d'Abel qui crie condamnation, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui crie « Tu es justifié ».
Dieu ne te condamne pas. Dieu ne t'accuse pas. Le Saint-Esprit ne condamne jamais. Il convainc du péché. Il n'accuse jamais. Mais il convainc du péché. Et quand tu es convaincu du péché, tu es purifié, tu es lavé. Et quand nous lisons même dans 1 Jean chapitre 2, la Bible dit qu'en réalité les enfants de Dieu ne pêchent pas. Mais s'il arrivait par hasard que tu tombais dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Celui qui a été condamné finalement après la mort et la résurrection s'est transformé. Il est ton avocat auprès du Père. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de voter dans des condamnations de péché. Que rassure-toi, il y a un avocat. Au lieu de fuir l'église, au lieu de fuir le pasteur, fuis vers l'avocat. Alléluia. Il défend très bien. Et son Père l'écoute formidablement bien. Et que cesse avec la culpabilité. La culpabilité est autre chose. Je voulais ajouter une autre chose avant que finalement nous puissions prier et dire que, en fait, le jugement de Dieu sur Jésus-Christ sur la croix, mais ça c'est le jugement de la Cour suprême, une instance supérieure. Quand Dieu vous a acquitté, quelle que soit l'instance, que ce soit l'instance des sorciers, que ce soit l'instance des magiciens, que ce soit l'instance des méchants, des gens qui ne vous aiment pas, qui peuvent se mettre ensemble, commencer à te condamner, commencer à t'accuser, la justice de Dieu triomphe sur toutes ces accusations-là. Tu ne mourras jamais à cause des accusations des méchants, à cause des accusations des sorciers, des féticheurs. Ils peuvent prendre votre nom et commencer à dire de n'importe quoi. Mais leurs accusations rencontreront la justice de Jésus-Christ sur la croix. Leurs accusations rencontreront l'acquittement de Dieu sur la croix. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Qu'il parle en famille, qu'il parle au quartier, qu'il parle à l'auditoire. Mais la justice de Jésus sera brandie et va vous laver. Parce que sur la croix, vous avez été lavé. Personne n'aura raison sur toi. Même si tu tombes dans le péché, rapidement, relève-toi. Parce que le juste tombe cette fois. Et il se relève. Ne fuis pas. Approche-toi de la croix. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Proche-toi de la croix. Proche-toi de la croix. La justice de Dieu ne s'arrête pas seulement sur l'aspect juridique, mais même dans la vie sociale. Dans la vie sociale. C'est là où, quand vous lisez, n'est-ce pas, dans Psaume 103, à partir du verset 8 et suivant, la Bible dit que Dieu va réparer tes torts. Il te fera justice. Quand nous lisons dans Ésaïe 54, à partir du verset 17, la Bible déclare « Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamné. » C'est ce que je proclame maintenant. Toute langue qui s'élève contre toi à l'université, aux cliniques, à l'assemblée, à l'entreprise, qui s'élève contre toi, que cette langue rencontre la justice de Dieu et soit condamnée. Parce que dès lors où Jésus-Christ est mort sous la croix, pour toi, la condamnation a changé d'adresse. La condamnation n'est plus dans ton camp. La condamnation est dans le camp de tes ennemis. Même si l'on forme les complots, cela ne viendra jamais de Dieu. Et toute langue qui s'élève contre toi, rassure-toi, toute langue qui s'élève contre toi, partout, même à l'église, sera quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu peux te lever?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et criez trois fois, très fort, l'Éternel est ma justice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est victime des accusations? Tu peux te manifester? Des accusations inutiles? Victime des accusations? Oui. Inutiles. Inutiles. D'autres accusations, non? J'ai passé seulement, il m'a regardé comme ça. Ah! Manifestez-vous, victime des accusations. Dans son mariage, à l'université, dans l'auditoire, victime. Et tu souffres de ça. Lève bien ta main. Tu peux passer devant. Va prier pour toi. Gloire à Jésus. Est-ce que il y a quelqu'un qui est victime de la culpabilité de péché passé? Le péché passé. Victime. Et il a l'impression que tout ce que je vis, c'est simplement à cause de ses péchés. Alors qu'il est encore enfant de Dieu. Alors que le sang de Jésus, ce n'est pas le sang de la condamnation. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Tu veux prier, il y a toujours ce péché qui revient. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Nous inviterons le pasteur. Charles, passez devant. Tu es victime, en proie. Et tu n'es pas tranquille. Tu te culpabilises. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Levez vos mains. Gloire à Dieu. C'est à Jésus de vous défendre. Parce qu'il vous a défendu à la croix valablement. De ces accusations mensongères et inutiles qui vous bloquent, même des promotions, des mensonges qui ont terni votre image. Non, vous n'avez pas à vous justifier. Jésus, votre justice, il vous a défendu valablement. Il a pris votre habit. Il vous a donné son habit. Le juste juge vous a acquitté. Vous pouvez lever vos mains, commencer à prier, parce qu'il y a une puissance forte du Saint-Esprit qui viendra imposer la justice de Dieu. Parce que sur la croix, il est devenu péché pour que vous deveniez justice. Et c'est ce que vous êtes encore maintenant. Gloire à Dieu. Et que ce sang va laver votre mémoire, va laver votre esprit de toutes ces condamnations. Jésus n'a pas condamné la femme adultère, mais il a voulu aller monter jusque sur le bois à la croix pour être condamné à la place de la femme adultère. Et à ta place aussi. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Levez vos mains. Levez vos mains. Nous allons prier pour vous. Il y a la puissance, la grâce de Dieu qui va toucher les cœurs et les corps. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, c'est fini. Au nom de Jésus. Et toutes les accusations des méchants sont battues en brèche et brûlées par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu notre Père,
Merci Seigneur parce que l'œuvre de la croix agit ce matin. L'œuvre de la croix agit ce matin. Par la puissance de ton esprit, prends mon frère en charge, prends ma soeur en charge, prends ton peuple en charge. Le châtiment qui produit la paix était tombé sur toi à la croix. Tu as été notre justice, tu es notre justice. Oui, Seigneur, nous t'invoquons ce matin en faveur de ton peuple réuni ici devant toi. Mon frère et ma soeur, qui est fatigué de tomber, qui est fatigué des condamnations. Oui, Père, tu as été le juste juge qui a prononcé le verdict pour justifier mon frère et ma soeur ce matin. Nous en appelons, Seigneur, à ta justice afin que tu te manifestes maintenant. Il est écrit dans ta parole, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à toi, Jésus-Christ. Désormais, la justice, ta justice, oui, joue en leur faveur. Que cela soit manifeste maintenant dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit maintenant afin qu'elle agisse dans la salle au nom de Jésus-Christ, afin de détruire toute puissance de la condamnation dans le nom de Jésus-Christ, et que la justification que nous avons obtenu à la croix de Golgotha puisse se manifester maintenant par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous proclamons cette justification, nous proclamons la justice, que le soleil de la justice brille dans le cœur, brille dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. La condamnation du diable est détruite, quelle que soit la langue qui s'élève en justice contre les bien-aimés, cela est condamné dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Quand tu te manifestes maintenant, enlève la culpabilité des cœurs au nom de Jésus. Par le sang de la croix, tu as purifié, tu as pardonné le péché. Par la croix, tu as enlevé la puissance de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Là, tu te manifestes maintenant par la puissance de ton esprit. Agis, Seigneur, maintenant. Prends ton peuple en charge dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle sur les vies de l'Église maintenant. Afin que ton pouvoir agisse. Pour ton pouvoir de la justice agisse. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et qui est notre justice. Jéhovah Tzidkenu, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes encore devant. Merci. Levez vos mains, on va faire cette déclaration. Alléluia. Même tous ceux qui sont restés, nous allons faire cette déclaration. Gloire à Jésus. On veut faire cette déclaration après moi. Seigneur, je déclare, Jésus-Christ est ma justice. Car il est devenu ma justice. En portant mes péchés sur la croix. Et je déclare, le don de la justice est à moi désormais. Je déclare, Jésus a payé un prix. Et alors, mes péchés ne peuvent plus me condamner, car Christ les a enlevés à jamais. Je déclare, Satan n'a pas le droit de m'accuser.
en me rappelant mes péchés à des moments difficiles. Car ces péchés sont loin de moi, comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Je déclare, ces péchés sont partis. Christ a payé le châtiment de tous mes péchés. Je déclare, il a purgé ma peine à la croix. Et je suis libre, car la parole de Dieu déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Père, je sais maintenant que Christ s'est chargé de mes péchés. Je sais et qu'il a subi le châtiment que moi je méritais. Je comprends qu'il a porté mes péchés sur la croix et que son sang a été versé pour mon pardon. C'est pourquoi je le confesse. J'y renonce et je proclame le pardon. Car Christ a subi ma peine et je le salue. Il me donne sa justice. Par la foi, je l'accepte. Je suis libre de mes péchés, libre des accusations, libre de toute condamnation. Car Christ les a portés à la croix, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libre, tu es libre. Pourrons regagner nos places. Les accusations des méchants n'ont plus de pouvoir ni de puissance.